Serre France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'agriculteur. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. On s'est installé avec ma femme, on avait une vingtaine d'années, sur une exploitation de 28 hectares. C'était un peu juste pour vivre, alors du coup on s'est agrandi, on a acheté 8 hectares, on a repris 40 hectares. Et après on a eu l'occasion de trouver une ferme à 10 km de chez nous, là, Les Mouleilles, là où on est actuellement, qu'on a loué. Mais ça a été difficile parce qu'on était 8 candidats et pour l'avoir c'était très dur. Quand il y a une ferme de 140 hectares, ça ne se trouve pas souvent. Et alors, on s'est présenté devant les propriétaires. Et un jour, ils nous ont rappelé comme quoi ils nous avaient choisi nous. Mais on a été refusé en autorisation d'exploiter. Moi, je n'avais pas le diplôme. Alors du coup, comme en face, on avait des jeunes diplômés, là, des jeunes agriculteurs, il m'a fallu faire une VAE, valider les acquis de l'expérience, pour pouvoir prétendre à mon installation en étant jeune agriculteur. Un jeune agriculteur, pour qu'il puisse s'installer, il est privilégié par rapport à un qui est déjà installé, qui a de la surface. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça que nous, on a tout arrêté pour reprendre 140 hectares à location ici, quoi. Dans l'agriculture, il faut toujours avancer pour pouvoir pour en vivre correctement, quoi. Il faut toujours faire plus pour gagner plus. C'est un cercle vicieux, quoi. C'est une exploitation que je suis depuis plus de 15 ans. On a des fois fait des études pour se dire qu'au final, ce n'était pas une bonne idée parce qu'il n'y avait pas de rentabilité ou ça allait apporter trop de travail, trop de charges ou autre. Et donc, on a été amené à ne pas candidater sur des terres. Quand on est arrivé au Mouleil, il y avait Mathieu, notre fils, là, qui avait 10 ans, mais qui aimait bien le métier déjà. On a racheté une deuxième exploitation qui était tout en lait. On voulait retraire. On portait le lait dans une laiterie. Et un jour, on a dit, il faut qu'on se lance à faire une fabrication. Alors, on s'est mis à faire du sénectaire fermier. Mathieu, qui va venir sans tarder sur l'exploitation avec nous, là, s'installer. Lui, il va plutôt être sur le cheptel salaire pour améliorer la génétique et pour essayer de faire voir nos bêtes un peu en concours, quoi. Et avoir des retombées économiques pour vendre des reproducteurs ou des génisses ou ainsi de suite, quoi. Elles ont eu un art, là. Les futures productrices. Yeah. Là, pour le coup, que ce soit l'investissement sur le foncier qui a permis de restabiliser la structure ou demain l'installation de Mathieu, on l'a posé, réfléchi, vérifié que ce soit bien rentable et viable avant d'engager Mathieu aussi dans le projet. Chez nous, dans le Cantal, c'est vrai qu'il y a un rapport qui est assez irrationnel économiquement au terrain. L'attachement à la terre est assez viscéral. Donc, dès qu'il y a un peu de terrain qui se libère, il y a tout de suite beaucoup de candidats. Donc, les prix ont tendance à monter. On a des prix de terre chez nous qui sont bien plus chers que les terres de Limagne, où on fait de la culture de céréales, donc au nord de l'Auvergne. Alors que chez nous, on a des hivers qui peuvent être rigoureux et on va exploiter l'herbe pendant 6 mois de l'année au maximum. Donc c'est vrai que l'agrandissement, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. D'apporter de la valeur ajoutée sur les exploitations, d'amener des projets de transformation, de diversification pour aller sur du produit fini, ça peut aider aussi à assouplir un peu les différents investissements. Ça permet d'avoir une structure à taille humaine, donc avoir une bonne cohérence entre le nombre de personnes qu'il y a sur l'exploitation et le travail qu'il y a à faire. Aujourd'hui, être propriétaire, c'est bon, c'est un bien propre à nous, on l'a acheté. C'est à nous que toujours donner des locations. On va donner pendant 20 ans un fermage et à la sortie, on n'aura rien. Alors, on préfère donner les 15 ans à une banque, une annuité, et on sait qu'à la sortie, l'exploitation sera à nous. Et pour l'avenir, après, pour les enfants, ils auront déjà des biens pour leur avenir, quoi. Des agriculteurs, il en faudra tout le temps. Il y a des terres à exploiter,
Après, un jeune, comme Mathieu, notre fils qui veut s'installer, il aime ça, il est né dedans. C'est des futurs producteurs. Il y en a un qui a 18 mois, l'autre qui doit avoir 24 mois là-bas. Les agriculteurs ont tendance quand même à vouloir faire en sorte d'être propriétaire d'un minimum de terre, ne serait-ce que pour pouvoir le transmettre. Le support d'une exploitation, ça restera la terre. Si on veut sécuriser l'exploitation au maximum, il est vrai que d'en être propriétaire, c'est toujours mieux. Vu les prix des terres, c'est pas toujours judicieux. Mais c'est vrai que le fait, pour un exploitant qui souhaite transmettre derrière son exploitation, il va transmettre des vaches, du matériel, du bâtiment. Mais la terre, ça reste toujours autre chose. La terre, même s'il la transmet à un enfant qui n'est pas exploitant, il a transmis quelque chose de son histoire. Serre France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'agriculteur. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.